vous transmettre les meilleures salutations de notre président et de la CEDEAO, Daniel Diallo. Nous venons de vivre quelque chose d'extraordinaire dans notre pays. On n'avait pas imaginé que dans un pays à 90% musulmans, on n'avait pas imaginé qu'on était capable et que ce gouvernement, sous la direction de M. Fabonné, était capable de faire ce que nous avons vu aujourd'hui. Depuis 2010, 5 captures sont amenées au cimetière de l'Orient. Lors de ces dernières manifestations, il y a une dizaine de jeunes tués à Paris. Nous avons un médecin sage, un jeune, qui était dans la toilette et il était malade. Malheureusement, le ministère qui l'a trouvé là, la communauté va se manifester. Nous avons vu la dernière fois à l'hôpital Tonk un gouvernement qui confisque les corps. Les gens ont été assassinés. Ils n'ont pas du droit à la justice. Les familles se déplacent pour les chercher les corps. Le gouvernement refuse comme si c'était les prisonniers. Nous avons tué, nous avons bien fait, nous avons la force, nous avons la police, nous avons la gendarmerie, nous refusons de nous donner le corps. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on voulait faire des corps. Comprenez l'émotion. Je ne pouvais pas imaginer que dans un pays, on était capable de tuer les gens sans justice, confisquer les corps et prendre la décision de prendre les corps, les transférer, les amener à l'hôpital chino-guinéen, à la mort qui ne peut contenir que 4 corps. On abandonne, c'est comme si vous prenez les corps et vous les mettez dans la rue. À moins de 24 heures, un corps qui n'est plus concerné est plus vivant. Ce gouvernement, à moins de gendarmes, la police, pour laisser non seulement les corps à l'intérieur, abandonnons ça, mais empêcher les gens même de rentrer. Notre pays a été digitalisé. Il n'y a plus d'humanisme dans ce pays. C'est terminé. On n'est plus un pays. On n'est plus dans un pays musulman. Mais en bouche, dans la chambre, là où vivent les animaux, ils ne sont pas capables de faire ça. Même les animaux ne sont pas capables de se comporter comme ça. On ne peut pas traiter un être humain comme ça. Cette image restera pendant des siècles et des siècles. Et cette image aussi fera partie du bilan de M. Alpha Condé. Je vous dis et je répète ça. Arrêtez de dire. Il a été à la famille. 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 Ah, bon. Non, non, non. À la famille. Dieu le Tout-Puissant. À la famille. À la famille. À la famille. Il a été à la famille. Il a été à la famille.
Ima ya freya. Kata kala kibiruwa. Kafwa ikulu. Ajeta foye. Awara. Ajeta foye. Anahani ifure sa wala kasha mufuwa. Na ade. Bone. Ade. 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 Allah. Abuka wala. Allah ya matadu. Dieu m'attend. Nous demandons à Dieu de tout puissant de nous voir. Nous n'avons pas la police. On n'a pas la gendarmerie. On n'a pas d'amis. Nous n'avons rien. Dieu, tu es le tout puissant. Nous sommes dans ce pays. Le pays de nos parents, de nos ancêtres. On est en train de traiter des Guinéens comme si ce n'était pas des Guinéens. Prendre un être humain. Le jeter comme ça, devant sa famille, devant le monde entier. La Guinée a été déshumanisée. On ne peut plus parler d'humanisme dans ce pays. Nous demandons à Dieu le Tout-Puissant de regarder ça, puisque c'est lui qui est pour faire comme nous. Nous disons à Dieu de faire la justice et nous demandons de faire justice dans la paix. Nous le demandons. Ils ont dépassé ce qu'on appelle le Rubicon. Il n'y a aucun moyen de s'associer et de parler et de discuter avec des gens qui n'ont pas le respect de l'être humain. On peut faire de la politique. Pour nous, nous pensons, nous avons toujours pensé que la politique, c'est qu'on appelle le Sanoya. Vous discutez, même si vous n'entendez pas, vous confiez projet contre projet. Mais la politique de Michel Papone, c'est la politique plus forte, en disant je suis plus fort, j'ai l'âme, j'ai tout. Je vais vous tuer, je vais vous assassiner, vous verrez, je vais faire de vos corps ce que je veux. On a tué, ils ont maintenu les corps, ils ont refusé de donner le corps aux parents, ils sont partis déposer les corps pour que, comme si ce n'était pas des êtres humains. Croyez-moi, nous sommes tous des Dieu nous pardonnera pas ça. Jésus comme un élu, il nous réglera cette situation. Maintenant, qu'est-ce que nous avons décidé? Si Alpha Condé et son gouvernement ont déshumanisé, ont traité des Guinéens de cette façon, nous devons les honorer. Nous devons prouver que c'est des êtres humains. Lundi, nous demandons à tout le monde d'abandonner tout ce que vous avez. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Lundi
n'a pas besoin de demander au médecin. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous allons montrer à M. Fakonde que nous n'avons pas de clients, mais nous avons des militants. Des militants engagés. Nous avons des vrais militants engagés. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Nous allons le jeudi marcher sur.